Hi, everyone. On today's episode of Mayor Time, we have not one, but two very special guests. Here with me in Watchbox Studios, we have the one and only Tim Masso to speak with watchmaking legend Denis Flageolet from Die Bethune, who joins us from Switzerland. Tim has been praising the genius of Denis for many years and long before Watchbox existed, let alone invested in the Die Bethune brand. It was Tim's belief and passion for Denis' unparalleled manufacturing capabilities that in large part motivated us towards making the investment. We are now honored to support him while he is building his legacy. Tim, thanks for joining me, and Denis, we greatly appreciate you taking the time away from your bench to speak with us. Merci. Denis, you are a fourth generation watchmaker. You've grown up around watchmakers. It shaped part of your childhood and your aspirations for the future. How did your family connection to watchmaking drive your interest in the profession? And was there ever a time when you decided you didn't want to be a watchmaker? Did you ever want to rebel against the family tradition? En fait, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. J'étais toujours dans l'atelier d'horlogerie de mon grand-père et de mon père. J'étais très jeune quand mon grand-père est décédé, mais je me souviens encore tout petit de jouer avec les rouages des vieilles horloges. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui s'est ancré en moi sans que je m'en rende compte. Après, j'ai passé un peu de temps pour, comme tous les enfants qui ont besoin de quelques petits sous pendant les vacances, à aider mon père à travailler, à faire des petites choses à l'atelier. Et en fait, sans m'en rendre compte, le métier est rentré doucement. Mais sans avoir en fait au départ un intérêt particulier, parce que en fait c'est comme quand c'est naturel en fait, il n'y avait pas de choses particulières pour moi, j'avais toujours vécu ça, connu ça, donc pour moi c'était vraiment la normalité des choses. C'est vraiment plus tard quand je suis allé à l'école d'horlogerie au Locle où je me suis rendu compte en fait de l'intérêt réel que j'avais pour ça. Et en fait, déjà de toutes les petites choses que j'avais perçues, ce qui m'a permis d'absorber beaucoup mieux en fait tout ce que j'ai pu apprendre à l'école d'horlogerie et ce que j'ai pu découvrir au musée du Locle et en tant que technicien. Et en fait, tout ça est venu depuis le plus jeune âge comme une langue qu'on entend, peut-être qu'on ne comprend pas tout de suite, et puis plus tard, elle revient et toute la culture arrive d'un coup en fait. Now, we're also interested in knowing how your early educational experience in science and micromechanical engineering contributed to your philosophy of watchmaking. Not every watchmaker is an engineer and a scientist. How did that background shape your path as a watchmaker? En fait, je crois que ceci revient aussi à ma jeunesse. J'ai fait des études secondaires où j'étais assez bon en mathématiques et en sciences. Ça m'a permis, en fait, quand je suis arrivé de nouveau en Suisse, à découvrir un petit peu mieux ce qu'était la science autour de l'horlogerie. Et surtout, ce qui était le déclencheur pour moi, c'est que quand je suis arrivé en Suisse, en fait, il y avait tous les outils nécessaires pour aussi bien calculer, construire, comprendre les outils, les matériaux, les rouages de façon importante. Et je venais d'un endroit où, en fait, ma famille travaillait avec les mains, sans outils, sans en fait avoir eu une instruction scientifique. Et ça, c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Je m'en suis rendu compte après, en fait. Et quand j'ai découvert qu'il y avait toute cette technologie possible à portée de ma main, je n'ai eu que cesse et qu'envie de la découvrir, de l'absorber, de la connaître et de pouvoir en faire vraiment quelque chose pour l'horlogerie. Thank you. Now, during the 1990s, prior to Die Bethune, you worked on movements for other brands. You often worked in restoration prior to creating movements for other brands. Could you talk a little bit about your watchmaking career in the 1990s prior to founding Die Bethune? En fait,
J'ai commencé par j'ai commencé en fait par m'intéresser à l'horlogerie ancienne. J'ai fait pas mal de restaurations d'horlogerie ancienne, que ce soit des horloges, que ce soit des montres compliquées. Tout ça m'a vraiment passionné. Et petit à petit, quand on voit les choses anciennes, en fait, on a envie aussi de faire soi-même quelque chose et de construire quelque chose. Donc, on rêve de réussir à faire quelque chose au niveau de ce qu'on a pu voir de pièces anciennes et de choses qu'on a à restaurer. Et en fait, avec la chance d'avoir des collectionneurs qui m'ont fait confiance, j'ai pu construire en fait quelques pièces uniques. Après, j'ai eu la chance aussi de trouver des amis horlogers avec qui j'ai pu cofonder la société THA, pour laquelle on a fait énormément de pièces uniques pour les grandes maisons. Tout ça était une expérience assez forte, assez extraordinaire. C'était assez palpitant et en fait, on ne voyait pas passer les journées. Et c'était le début d'une carrière qui, en fait, on a vraiment d'un optimisme délirant, en fait, où quand on a dans les mains des pièces de Breguet ou des complications du 19e, de la fin du 19e, de Patek ou des pièces de Lépine ou des chronomètres de Marine, de Motel ou de Berthoud, on se dit on veut faire aussi bien. Et donc, en fait, il y a une motivation énorme à avancer, à faire des choses. Et tout ça, c'était à l'intérieur de THA, pour laquelle on a vraiment fait des pièces exceptionnelles. Et dans toute l'horlogerie, voilà. Après, tout ça, c'était tellement fort en fait dans ma tête qu'à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose aussi. And when did you decide that you wanted to design watches for yourself instead of another brand? I believe D. Bethune just had its 20th anniversary. It was founded April 4th, 2002. And why did you decide to put D. Bethune on the dial instead of your own name? Au niveau du choix, en fait, de faire mes propres montres et de fonder une marque, en fait, c'était surtout au départ pas l'envie particulièrement de faire ça absolument, mais c'était de sortir d'un système horloger qui ne me plaisait pas. On était dans une période à la fin des années 90, tout au début des années 2000, d'un système où en fait l'horlogerie mécanique retrouvait de la grandeur. Les grands groupes s'intéressaient à ça. Et en fait, il y avait une sorte de formatage qui s'est opéré de l'horlogerie, qui me dérangeait fortement parce que j'avais l'impression qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait à l'époque au niveau de l'horlogerie, mais qu'il y avait en fait des blocages. Les marques devenaient trop vite, trop grandes, et il n'y avait pas le moyen en fait d'exercer une créativité très importante pour toutes ces marques. Et donc, à un moment donné, c'était plus agréable de reprendre une page blanche et de recommencer tout à zéro sans s'occuper des normalisations, sans s'occuper de ce qui était bien ou pas bien de faire dans l'horlogerie et de refonder tout depuis le départ, mais bien sûr appuyer sur une culture ancienne très, très, très importante et qui est pour moi la chose vraiment la plus importante, de faire aussi attention au passé. Et donc, en fait, il n'y avait pas le choix que de faire quelque chose soi-même. Et donc, voilà, avec David Zanetta, à l'époque, grand expert de l'horlogerie, nous avons décidé de fonder une marque. Je savais qu'une marque, ce n'est pas une personne seule, c'est une équipe, c'est un groupe. Il allait falloir du monde, il allait falloir des horlogers, des mécaniciens, des ingénieurs. Enfin, on ne peut pas faire tout tout seul, même si on a des bonnes idées, même si on est créatif, même si on sait faire beaucoup de choses. Si on veut se développer correctement, c'est une entreprise, c'est une équipe. Et donc, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas vraiment de logique de mettre un nom particulier. C'était bien plus intéressant de faire un hommage à un grand nom de l'horlogerie que de mettre son nom. Et le
Voilà, le nom de Béthune était un assez, pour moi, un grand nom de l'horlogerie, mais très, très peu connu. Ses inventions ont été utilisées par les plus grands, comme Julien Leroy. Et donc, ça me paraissait évident, en fait, de faire cet hommage plutôt que de vouloir mettre son propre nom. Now, we're also wondering. Oops. That's a watchmaker's hand right there. We were wondering about the creative process at De Béthune. When you create a new watch, what is the process from start to finish? Do you design the way it looks first? Do you design the movement first? How do you approach the creation of a new watch from the start? Alors, une montre pour moi, c'est un tout. Il n'y a pas une boîte, il n'y a pas un mouvement. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais avant, en fait, dans l'horlogerie en général. Tout le monde conçoit l'horlogerie avec un calibre qui va à l'intérieur d'une boîte. Mais pour moi, l'horlogerie, ce n'est pas ça. Pour moi, l'horlogerie, c'est un objet, c'est vraiment un tout, c'est une pièce, c'est de l'art. Donc, on ne peut pas imaginer l'extérieur. Le dessin extérieur et après imaginer la technique à l'intérieur ou l'inverse. Pour moi, en fait, on a envie d'un projet, on a en fait une idée. Souvent, c'est une idée qui vous gratte la tête, qui vous démange, elle est là, vous ne savez pas encore trop. Et c'est quelque chose qui se met en place de façon organique, en fait. Et là, il n'y a pas à savoir si on est en train de dessiner le cadran, de dessiner la boîte, de dessiner le mouvement, de travailler sur la technique. Il y a quelque chose qui se met en place petit à petit, qui fait que en trouvant une solution pour les aiguilles, on va avoir une idée d'améliorer la technique. En trouvant une solution pour la technique, ça va nous donner une évidence pour le cadran et les choses vont se mettre en place. Comme un projet, comme peut-être, je ne sais pas, un compositeur qui va composer de la musique ou un sculpteur qui va faire une sculpture, il va pas d'abord imaginer une chose pour faire l'autre, il va avoir ça dans la tête et puis petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et c'est vraiment comme ça que je conçois la montre, c'est vraiment pour moi un projet global avant d'imaginer que ça puisse être une partie de mécanique à l'intérieur d'un habillage. Please describe how buyers of independent brands and De Béthune in particular have changed since 2002, and how much do you alter your manufacturing plans based off of consumer demands, or do you not at all and just do what you want to do, and if people like it, great, and if not, it's not for them? Alors déjà, les amateurs collectionneurs d'horlogerie, de belles horlogeries indépendantes, déjà je souhaite les remercier parce qu'en fait, sans eux et sans leur évolution et sans leur connaissance de plus en plus pointue, on n'aurait pas la chance de faire des aussi beaux produits. Parce qu'en fait, on peut avoir les plus belles idées du monde, mais il y a un moment donné, voilà, faut avoir aussi les moyens de pouvoir les mettre en place, de les appliquer. Puis il faut surtout, en fait, avoir une sensibilité en retour, comprendre, en fait, si on veut nous aussi évoluer, comprendre aussi leur réception, comment ils ressentent le produit. C'est toujours un stress de savoir comment quelqu'un va recevoir le produit que vous avez imaginé, que vous avez fait. En général, quand on arrive au bout d'un produit, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais moi, c'est quelque chose où, en fait, je déteste presque mon produit, tellement c'était difficile d'arriver. Tellement c'est difficile d'arriver au bout du produit, je le déteste. Donc, je suis toujours très heureux quand quelqu'un d'extérieur va le comprendre, va le complimenter. Et je suis encore plus heureux si c'est des gens qui ont une vraie culture et qui ont une vraie connaissance, parce que je sais que ça sera des vraies critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ça va être des critiques qui vont pouvoir continuer à m'aider à me construire. Donc en fait, ce que je ressens depuis le début des années 2000, c'est que tous ces amateurs, collectionneurs passionnés, en fait, ont évolué énormément.
Ils comprennent de mieux en mieux nos métiers. Et en fait, en tout cas pour moi, ils m'aident de plus en plus à faire le mieux possible et faire les plus belles choses possibles. At Dibitune, you speak of chronometry as a priority with tourbillon watches. In particular, you speak of the accuracy of the tourbillon regulator that you produce. Most brands in high horology do not speak about chronometry, even for tourbillon. Why is this important to you, and do you consider it to be one of the primary goals of the company? Quand on pense à une fonction le plus précise possible et la plus juste possible, en général, mécanique, et qu'on essaye de la faire le plus simple possible, parce qu'en fait, une fonction mécanique simple, sans trop de pièces, sans trop de complications, mais avec un minimum de choses pour que ça soit efficace, obligatoirement, en fait, quand on la construit, quand on la pense, obligatoirement, c'est une belle mécanique. Et si vous regardez les mécaniques des grands horlogers de l'époque, que ce soit Berthoud, que ce soit Lépine, que ce soit Breguet, que ce soit Motel, que ce soit Harrison, que ce soit. C'est pourquoi on aime leurs produits, pourquoi on aime leurs pièces, pourquoi on dit c'est magnifique. En fait, c'est magnifique parce qu'ils ont cherché à avoir la meilleure technique possible, la meilleure chronométrie possible. Et pour ça, ils ont dû éviter un maximum tout ce qui est des frottements, tout ce qui est des problématiques de pièces qui rentrent en collision l'une avec l'autre. Et donc, ils ont trouvé des belles solutions techniques. Et obligatoirement, en trouvant ces belles et bonnes solutions techniques, ils ont créé un produit esthétique. Et pour moi, les deux choses vont ensemble. Et très souvent, quand je vois une mécanique qui me paraît pas forcément très belle, c'est souvent bien possible qu'elle ne fonctionne pas bien. Donc pour moi, ça reste vraiment quelque chose d'important et c'est totalement lié, en fait. On ne peut pas les séparer. Thanks, Denis. How many hours does it take to make a de Bethune watch? And I understand some movements are harder to manufacture and take longer than others. And what is the most difficult movement to manufacture? I believe I've heard or read that the split-second chronograph is one of the more difficult movements to produce. And I think of your Maxi Chrono, which is one of the most impressive movements I've ever seen, with five hands all operating off of one pivot. Elaborate on how long it takes to produce the average de Bethune watch, DB25 Stradivarius, and then the more complicated pieces. Si je prends le maxi chrono, j'aurais tendance à dire qu'il m'a fallu 40 ans pour l'imaginer, voire peut-être 60. C'est-à-dire que s'il n'y a pas toute cette expérience et cette culture avant et cette connaissance avant, c'est pas possible en fait d'arriver à une pièce pareille. Donc en fait c'est un travail acharné de plusieurs dizaines d'années. Maintenant, à partir du moment où le produit est conçu et imaginé et mis au point, où là il faut encore quelques années. Le Maxime Chrono, il m'a fallu quand même quelques années pour le finaliser et le mettre au point. Le fabriquer réellement, c'est pas ça qui est intéressant de mesurer en fait. Le temps qu'on passe à faire une montre, une pièce compliquée, c'est pas vraiment là qu'est la nécessité de calculer. Mais voilà, si on veut répondre un petit peu quand même à la question, je pense que ça se compte, voilà, ça se compte en semaine et en mois pour le maxi chrono. De toute façon, quand on se met dessus, l'horloger passe plus d'un mois. Mais avant, il faut savoir qu'il y a eu des pièces qui ont été fabriquées, des pièces qui ont été décorées, qui ont été finies à la main, qui ont été assemblées. Donc, il passe dans les mains de beaucoup de personnes différentes et de beaucoup de métiers différents. C'est assez compliqué, en fait, à dire, voilà, on a mis tant d'heures pour faire cette pièce. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'on y a mis toute l'énergie possible, en fait. Qui est plus importante de compter l'heure, c'est l'envie de le faire et l'énergie de le faire, en fait. We also have a question about the
process of vertical integration, you create your cases, your dials, you have people who do engraving, who do gem setting. Of course, you make your movements. Many independent brands don't vertically integrate. Why bring all of the crafts under one roof at Debatun? Alors, la raison de tout faire et d'avoir verticalisé la manufacture, déjà, si on veut s'appeler manufacture, à mon avis, horlogère, la nécessité, c'est d'être verticalisé, c'est de savoir faire tous les éléments d'une montre et de les savoir les concevoir et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est une chose qui me semble particulièrement importante. Donc, ça fait partie aussi de la sauvegarde des métiers et des savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai besoin d'être entouré de ça. C'est des métiers que j'ai eu la chance de faire d'un bout à l'autre à chaque poste. J'ai besoin, comme je le disais avant, d'une grande équipe. J'ai besoin d'une équipe et c'est des gens très professionnels et qui connaissent bien, très, très bien leur métier. Mais je peux aller les remplacer à chacun de tous les postes de la manufacture. Et donc, pour moi, à partir du moment où j'ai cette connaissance du métier, ça me paraît évident qu'on doive le faire en interne, parce que si on a besoin de quelque chose rapidement, si on a une nouvelle idée, ça permet de le faire de suite, ça permet d'évoluer, ça permet de faire avancer le métier. Si vous devez aller à l'extérieur de la manufacture pour dire « Ah, j'ai une idée, est-ce que monsieur, vous pouvez me faire ça aussi ?» et qu'on doit attendre le retour, le devis, le retour du fournisseur, on n'avance pas, c'est pas possible. Il faut 200 ans pour faire de Béthune. Si on veut le faire comme on l'a fait en 20 ans, il faut être capable de réagir instantanément et de pouvoir, à partir du moment où une idée qui arrive, de pouvoir le faire tout de suite, hein, dans la même journée ou la nuit qui suit. Comme ça, la passion n'est pas cassée, la passion n'est pas coupée. On peut vraiment, sans jamais s'arrêter, aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est super important. Si on nous coupe, c'est plus possible. Si vous avez un écrivain qui a une belle idée, puis qui écrit des pages et des pages et des pages, qui a une idée qui est concentrée, si on vient le couper au milieu, il va être déconnecté. Et donc, donner du travail ailleurs, pour moi, se déconnecter d'une réalité. Et donc, de ne pas avoir la capacité de faire la meilleure qualité possible. You've amassed a crazy amount of patents over the last two decades. I believe over 30, a large amount of world firsts, flex lugs, lightest tourbillon in the world. What drives you to innovate? L'innovation, c'est pour moi une tradition horlogère. La vraie tradition de l'horlogerie, c'est l'innovation. Si vous regardez ce que les anciens ont fait, en fait, ils ont passé leur temps à se battre à l'époque pour la chronométrie, essentiellement pour avoir la meilleure précision et avoir la meilleure en fait longitude, connaissance de leur longitude en mer pour pouvoir découvrir en fait le monde. Et donc c'était pour eux quelque chose d'aussi important que maintenant aller dans l'espace. Et donc ils se sont battus continuellement pour avoir cette précision et pour faire des beaux objets. Et en fait, ils ont, avec ça, mis en place un système d'innovation constant. Et moi, j'ai toujours vu l'horlogerie, quand je regarde l'horlogerie comme elle a été faite, pour moi, en fait, ce n'est que de l'innovation, sans arrêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un grand d'horlogerie, nos pères, auraient découvert une nouvelle matière, ils l'auraient utilisée. Berthoud, s'il avait connu le titane, il aurait utilisé le titane. Ils auraient tous testé ou pu tester les nouvelles technologies qu'on a chez nous à disposition maintenant, que ce soit en outillage, que ce soit en logiciel, que ce soit en matière. Et donc, en fait, pour moi, c'est super important à chaque fois que je découvre quelque chose ou qu'il y a quelque chose possible d'utiliser, c'est de le tester pour l'horlogerie, de dire qu'est-ce que je peux en faire comme application pour améliorer l'horlogerie, pour amener une petite brique en plus, pour construire un petit peu de cette histoire de l'horlogerie. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Et si je peux en faire quelque chose, je vais chercher et ça va me donner des idées. Et à un moment donné, je vais me réveiller en ayant une idée et avec la chance d'avoir une manufacture verticalisé, on pouvant en faire à peu près tout dans la maison, je vais pouvoir tester l'idée très vite et je vais pouvoir rapidement savoir si ça vaut la peine de continuer.
continuer et de présenter en fait la découverte, ce qui amène obligatoirement à des premières mondiales ou à des brevets. Donc en fait, c'est juste cette envie de perpétuer la tradition horlogère qui est celle d'innover et pas de rester bloqué en fait sur une tradition horlogère un peu vieillotte où on reste bloqué dans les finitions traditionnelles, dans le poinçon de Genève, dans toutes ces choses qui ont besoin d'être dépoussiérées et qui a fait que c'est pour ça aussi que j'ai fondé De Béthune. Merci. We're going to do our best to keep Pierre on track. I know we made a promise to him, so we have just two questions left. The first is about Denis' personal watch collection. Does he collect watches or clocks? Does he have a passion as a collector in addition to watchmaking? Alors, en fait, je suis plus quelqu'un qui découvre et qui aime analyser et comprendre. Donc, en fait, j'ai dans ma vie collectionné quelques beaux objets. J'ai eu des très beaux chronomètres de marine parce que je voulais comprendre la chronométrie. J'ai eu des belles pièces avec des très beaux échappements de grands horlogers. Voilà, j'ai eu des choses comme ça qui m'ont à chaque fois aidé à découvrir les choses. Souvent, je les ai échangées ou voilà, elles sont parties ailleurs, elles font leur vie vers d'autres qui les découvrent aussi. En ce moment, j'ai une petite passion qui c'était pour comprendre en fait comment se met en place une entreprise. Et il y a une entreprise en fait française qui m'amuse depuis quelques années parce qu'en fait quand j'étais tout petit mon père vendait les montres Leap, la marque Leap, et je les voyais quand j'étais petit. J'ai découvert ces montres-là en fait dans les vitrines, dans l'atelier. C'est des montres assez mécaniques, assez simples, mais qui ont toujours eu une recherche de design importante en fait. Et puis en fait je me suis dit mais il y a quelque chose. Donc, j'ai voulu revenir un peu aux origines pour comprendre, en fait, peut-être que j'ai eu quelques petites choses qui ont fait que certains designs, en fait, de ces mondes de l'époque m'ont marqué. C'était en plein dans les années 70. Et en fait, j'ai découvert que cette marque-là a été exceptionnelle dans sa créativité dans les années 70. Et ils ont été les premiers à utiliser des grands designers pour faire des choses assez incroyables, telles que Roger Talon, qui a dessiné le TGV, par exemple, et d'autres grands designers. Et en fait, voilà, depuis quelques années, je continue la collection de mon père, puis je continue à les collectionner, à les découvrir et à découvrir plein de choses dessus, mais c'est anecdotique, on va dire. Thank you. And then finally, we'd love to know, what are your future goals? Is there a type of watch you still want to make? A professional milestone, a new technological breakthrough? What are your goals personally and with De Béthune for the future? Alors, ce qui est important pour moi, au niveau personnel, en fait, je pense que j'ai acquis une assez bonne expérience maintenant dans le métier. Il m'en manque encore un assez grand bout, mais disons, voilà. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, et j'ai déjà un petit peu commencé, c'est d'essayer de trouver une solution, en fait, pour transmettre de l'expérience, de la connaissance, et puis pour motiver, en fait, des jeunes à continuer ce travail de recherche, parce que je pense qu'on peut encore faire énormément, énormément de choses dans l'horlogerie mécanique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important personnellement pour moi maintenant de pas en fait enfouir les connaissances, mais plutôt de les ouvrir un maximum à tous les jeunes qui pourraient être motivés et qui sont prêts à mouiller leur chemise pour y arriver. Et puis au niveau horloger, j'ai quelque chose en fait voilà dans la tête en cours. J'ai toujours des tas d'idées, donc j'ai plein de choses que je veux encore faire. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais voilà, il y a encore quelques belles montres qui peuvent sortir. Il y a encore quelques mécanismes que j'ai pas analysés jusqu'au bout qui m'intéressent, et donc je pense qu'il y a encore quelque chose à améliorer, et je pense qu'on va encore avoir
des choses intéressantes à présenter, mais c'est toujours difficile de parler ce qu'on va faire demain, parce que en fait, souvent les choses qui sortent au début, quand on les a dans la tête, elles sont d'une certaine façon, et au moment où elles sont finies, elles sont d'une autre façon, ça évolue. Donc, j'ai un peu de peine à vous dire maintenant, en fait, ce que je vais être capable de faire demain. Mais en tout cas, j'ai la vraie motivation de faire encore quelques belles choses. Denny, thank you so much for your time. It's an honor because I know that you don't do many appearances before the press or many interviews. So it's so great to hear a genius mind speak. Tim, thank you for joining me. You're always so insightful, and I'm honored to be here and a part of this interview with the both of you. Merci, merci beaucoup de votre intérêt. Merci Denis, au revoir.